Réchauffe carbu, poussé, déverrouillé. Mélange en haut, plein riche. Toute servitude sur off. Avionique Master sur off. Disjoncteur vérifié. Contact batterie sur on. On a le plein. Donc on a 3 heures d'autonomie, soit 2 heures et demie de vol. C'est ça. On va partir à 10h45. On sera de retour 13h45. Heure d'atterrissage max, 13h45. 9h45, 10h, 11h, 9h40. Comment ? 12h quelque chose. 12h15. Voilà. 12h15. Je mets 13h15. Si. Autonomie calculée et vérifiée. Alarme testée. Balise de détresse sur AND. Feu anti-collision sur ON. Verrière tirée non verrouillée. Le moteur est moyen. On va mettre pompe électrique sur ON. On va mettre ça sur BOSS. On va faire 3 injections. 1, 2, 3, je pousse un petit centimètre, les pieds sur les freins, il n'y a personne, je démarre. Allô, allô, voilà, une mise en route à 9h40. On peut s'attacher. Radio. Pour essayer les nouveaux systèmes de synchronisation en secours. Donc le GPS est on. SDVFR est on. Chauffage moteur 1200. Alternateur sur on. Chargeur alternateur, aiguille, ça commence à monter. Avionique Master sur on. Ça, je vais pouvoir continuer. Le landboard. On met 100 litres, 109 frais. Continuons. Flight plan, menu, catalogue. Donc, LFLE. Bon, tu vois, il n'a pas enregistré. Ah, on l'a vu tout à l'heure. Oui, mais on a... On a sauté une étape, j'avais un doute, on a sauté une étape. Ah, facile. You. You. Voilà. Ah ouais, ok. Donc il enregistre comme ça. Ouais. Ok. Map. Ok. Donc, aujourd'hui, Avionique Master sur on, sélecteur essence sur ouvert, transfert carburant. Bon ben, je te demanderai une carte ou l'autre. Ok. Tant qu'on ne sera pas avant Montargis, je vais utiliser celle-là. Ok. Jusqu'à Nemours, c'est Yohann qui pilote, qui navigue. Alors, un essai, la radio, elle est bonne, hein, c'est nickel comme l'autre fois. J'entends bien tout le monde. Attaché à gauche, à droite. Non, je vais m'attacher, non. Derrière, attaché. Ça fait déjà 5 minutes d'audio, c'est parfait. Le sol de Fox Golf novembre Lima, rebonjour. Bonjour Fox novembre Lima, roulé point d'attente qui se faisait en vue du rappelé près. Et on a fait sauter de notre âme du radar qui était HS, donc je peux vous donner un transpondeur 3720. 3720 sur le transpondeur, je roule 082 novembre Lima. Donc 38 golf, c'est ça, bonjour. T'as dit combien sur le pénage et les Couillard au parking planaire avec information à l'instant pour un vol à destination de Melun.
Théorème 38 Golf, j'ai bien votre plan de vol pour Melun, roulez point d'attente 608, dire à peu près. Point d'attente 608 en rattachement 38 Golf. Novembre 38 Golf, vous avez quitté le parking déjà ou pas? On a encore quitté le parking avant cette 38 Golf. Reçu, alors on va faire translater un hélicoptère si vous pouvez rouler rapidement pour qu'il puisse passer derrière vous. On y va, mais on s'en porte plus. Merci. Le vent complètement mort, un peu de droite à l'atterrissage, au décollage. Légèrement de droite. Donc je demanderai une non, c'est pas une verticale. Non, de... Ok. Donc, les essais moteurs. Roulette donnée dans l'axe, frein de parc, serré. Sélecteur essence sur ouvert. Transfert carburant, poussé et verrouillé. Température dans le verre, pas encore. Pression dans le verre. Pression d'essence dans le verre. Commande de tenue. Il n'y a personne, je vais mettre 2000. Je perds son tour, bosse 2000. Je perds son tour, bosse 2000. Ah bon, ça c'est dans le vert. Ah, c'est bon. Ralenti. Stable et pas de détonation. Donc régime d'attente 1200. Ah oui, la pression et température dans le vert. Pression d'essence dans le vert. Pas d'alarme. Et c'est moteur terminé. Checklist avant décollage, serrage de frein de parc maintenu, contact manito sur bof. La batterie sur on, alternateur sur on, chargeur batterie dans le vert. Réchauffe carbu poussé et verrouillé, mélange vers le haut. Sélecteur essence sur ouvert, transfert carburant poussé. Autonomie, 2h30 d'autonomie. Et c'est correct. Horizon artificiel stable sur les deux. Donc la 340 sur 1018, c'est bon. C'est bon avec deux QNH, deux hectopascales de différence. Les deux horizons artificiels, c'est bon. Les deux altimètres, c'est bon. Et le heading de sortie, c'est bon. Donc commande tenue, à gauche, ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Libre et dans mon sens. Compensateur sur neutre. Le sol. Peinture, attaché à gauche, attaché à droite, attaché derrière. Bonjour, Fortuna Québec. Tête électrique sur on. Fortuna Québec, assistant 32, les personnes à bord, on est au pompe avec l'information alpha verrière, pour un vol local. Fermé et verrouillé. Fortuna Québec, on est place à gauche, en place à droite. Je vais décoller sur la piste 08. Aligné, je les récap 0,80. Je vérifie la puissance 2200 tours minute minimum. Rotation 54 nœuds. Montée initiale 70 nœuds. Feuille de la piste gazonnée, je prendrai route 120. 700 plus QNH, je rentre les volets et je cherche 80 nœuds. Je ferai le décollage sur les freins cette fois-ci. Donc en cas de panneau alarme avant 54 nœuds, je réduis, je freine, je sors. En cas de panne mineure après décollage, je ferai un circuit adapté, main gauche a priori pour revenir sur la piste 08. En cas de panne moteur après décollage, je pousse
sur le manche pour garder une finesse de max qui est 78. 75. 78, j'entends pas bien. Et comme ça c'est mieux? Oui, comme ça c'est mieux. Alors il n'était pas tout à fait collé. Ok, très bien. Donc on est prêt, c'est prêt, on peut partir. Salut. L'on est sol de novembre, Lima, point d'attente 08, prêt au départ. Fox Nord Lima, maintenez avant point d'attente, veillez 118-6. Je maintiens point d'attente, je veille la tour 118-6, novembre Lima. Fox Nord Lima, l'on tour, bonjour, à nous, piste 08 du retour, autorisé décollage en 150 degrés 39. Bonjour, bonjour monsieur, je m'aligne 08 dur, autorisé décollage novembre Lima. Fox Alpha Zulu, transporteur 7000 quitté tout à l'heure. 7300, quitte la fréquence tout à l'heure. Aujourd'hui on est à 25 degrés de température, c'est le minimum que j'avais calculé. On est sur du 550-560 mètres, 15 mètres. On est dans l'axe. Joli, ça essence est disponible. 2100 affiché. Sur le train. Et 50 piles. Sur un ballon, sur le plancher. Le badin est actif. Les instruments sont dans le vert. Pas d'alarme. 54 nœuds, rotation doucement. Oh, 70 nœuds à et à 10 mètres à peu près, à peine. Ok. Feuille de la pièce à gazonner, je prendrai 120. Voilà, c'est parfait. Ça vous est bien. Avec un peu de pied à droite. Instruments sont dans le vert, on continue. Bon, ben on est passé, hein? Oui, oui, oui. Voilà. S100PQNH, je rentre la main, 89, je rentre. Techliste après décollage, je vais les rentrer pompe off, réchauffe off, plein riche. Mes instruments sont dans le vert, je cherche 89. Nombre 38 Golf, Lone Tour, bonjour, Agneau, piste 0 dur, autorise décollage, oui. Vent calme. Alors là on est à 1000 pieds, 1000 pieds, 1000 pieds, ouais, 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 ouais. D'accord. Encore 200 pieds. Je vais sortir par là, moi. D'accord. À 1500 pieds. Novembre Lima en sortie pour quitter la fréquence, monsieur. Novembre Lima, transporteur 7000 quitté tout à l'heure. 7000 tout à l'heure, merci, merci, au revoir. Combien cette sortie, Johan? Je n'avais jamais filmé comme ça. Ah. Ah oui, t'as Paris là. Pour la pédagogie du Théo, c'est très bien. Donc là, pour le coup, au lieu d'être à gauche de la ligne de tension, on est à droite. Ouais. Il faut avoir la ville, donc au toit derrière. Voilà, à gauche et pas à droite. En dessous, la N4. Quelque part à droite, bris contre-vert, avec la zone Paris, en bout d'aile. Melun de Fox Golf, novembre, Lima, bonjour.
Melun de Fox Golf, novembre, Lima, Robin DR 403 personnes à bord en provenance de Logne à destination de Aubigny, actuellement à 2 minutes de point novembre à 1500 pieds pour transiter par novembre Sierra Mike à 1500 pieds et on remonte à 2500 pieds dans le secteur. Vertical Bravo, prise de cap vers Granville, on s'en sortit de pour quitter à 50. Et là ils ont fauché les blés, c'est encore plus contrasté les champs. Ouais, c'est vrai, on voit bien les marques des sillons, ouais. Des sillons des roues. Vous voyez les petits bonhommes verts qui ont écrit des choses par terre. C'est un peu bizarre. Là, il a dit tout à l'heure dans le tir à gauche, c'est très très peu, mais enfin, le droit il tire un peu, mais c'est très, vraiment très peu. Enfin, dans le CRM. En tout cas, l'atmosphère est stable là. Oui, par rapport à hier, moi j'ai volé hier, c'était assez turbulent. Donc nous avons le fameux novembre. On ne peut pas louper. On a de la chance d'avoir un point comme ça. Ouais. Derrière Paris. Oh là, disons, il y a une espèce de couche de je sais pas quoi. Alors je sais pas si c'est Paris ou derrière ou machin, mais c'est pas très clean. Hein. Ça a pas de pollution en ce moment. Ouais. Mais ce matin, c'est interdit à critère 3, 4, 5. Ouais, mais ça fait déjà deux jours, je crois. Ah oui. Melun de Fox Golf, novembre Lima, 1500 pieds, vertical novembre. On remonte à 2500 pieds, novembre Lima, et on transite par Sierra Mike. Il a passé Blandy vers Nangis et il rappelle en sortie. Il a pas passé quoi? Il rappelle en sortie de la CTR. Oui, mais il est où? Ah, lui, il va vers l'ouest, il va vers l'est. Bon. En fait, il est là, il se barre par là-bas. Oui, mais il va pas passer devant nous, c'est ça la question? Ah non, lui, il part vers là-bas. Il était à 2000 de toute façon déjà. Et je le vois pas, mais il est par en dessous là. Fox novembre Lima, on coupe les axes 2500 pieds et on transite de novembre à Sierra Mike. C'est à 2500 pieds, vraiment à l'est des axes.
le TB21 Whisky de Mac-Juliet. Je vous écoute, Victor Romeo. Oui, le Victor Romeo, on est au point d'attente Tango, on voudrait décoller en 28 en fonction, comme vous étiez allé avant, je vous laisse passer. Non, allez-y, je vous en prie, je ne suis pas encore prêt. D'accord, et bien le Mac-Juliet depuis Tango s'aligne et décolle en 28, et direction Bravo. Et je confirme Victor Romeo, je maintiens Whisky. Merci. Voir le château, on va se remontrer le château. Je décale un peu. Oh, il est encore à la... Ah si, il est au milieu de la piste, carrément. Ah ouais, très beau, Yann, c'est pas... Ah, c'est génial. Ouais, belle vue là. C'était 1300 l'autre fois quand on est passé à côté. Et fais gaffe à pas survoler celui-ci, surtout à l'autre là-bas. C'était un peu trop près en fait, j'avais encore 500 mètres de marge. Ah joli là, joli. Superbe. Bon attour du Fox Victor Romeo. Ils sont pas là aujourd'hui. D'après le notam, il doit être activé à 8h. Ben, il semblait voir un notam qui, hier soir qui est déclassé en G aujourd'hui. Ben, ça serait une bonne attitude là pour le loin. Ok, le premier combat, il a vu qu'ils vont ouvrir à 8h UTC. Là, il est dû à 8h01. Ouais. Et l'autre, il a dit non, apparemment, non, pas aujourd'hui. Ah, d'accord. Ouais, c'est bien ce qu'il semblait. Et que, comme lui, avant j'entends longtemps, mais c'était écrit, il ouvre à 8h OTC. Alors ça dépend, il a annoncé ça hier soir avant, en quittant la fréquence. Ouais. Et moi j'ai regardé les notables à 23 minutes. Ah, peut-être. Pareil, Belin, c'est la première fois que je la vois comme ça. Quand tu dis comme ça, c'est altitude? Ouais. 2005, là, c'est bien. Ouais, c'est bien, c'est parfait. Je pense à rester contre 2005 de le trajet. Ouais, ouais, je pense qu'on va pouvoir, ouais. Je redemanderai à la CNINFO de vérifier que... de vérifier que la Romeo 149 n'est pas active. Ouais. Mais c'est pas 134 ici? 134.3 là. C'est un T. 118, elle est un peu plus bas. En 34.3 sur le mien. Et 7, c'est quand on sera en fait... Ouais. Il va nous libérer sur... Ah ouais, tout à fait. Melun de novembre à Lima, 30 secondes de Sierra Mike en sortie cap est, cap sud. Ah ouais, effectivement là. Bois-le-Rouen juste en dessous. Et la forêt de Fontainebleau. Melun de novembre Lima, vertical et Sierra Mike, 2500 pieds. On continue cap sud de la direction Obini et on quitte la fréquence. Bon vol et bonne journée à tous. Au revoir. Bien, bon vol également. Alors, c'est une sortie sud-ouest 1500 pieds avec une descente vers 1200. Reçu, bon vol, au revoir. Oui. Pas de soucis, je maintiens Whisky, je reste sur votre fréquence Fox Victor Romeo. Oui, si vous voulez pas perdre de temps, à la limite, vous pouvez décoller en VFR et m'appeler en sortie, comme ça on gagnera un petit peu de temps si vous voulez. Parfait, je repasse 121 unités, je monterai 1500 pieds, puis je vous contacte Fox Victor Romeo tout de suite. A tout de suite, c'est pour info, actuellement sur l'axe IFR, un GA7 Vauban.
C'est bien noté, j'ai copié 1018 au pionnage, à tout de suite, Fox Victor Romeo. Tout de suite. Nombre 738 Golf, autorisé à approcher en A28 Yankee. Et pour information, donc un TB1 au départ de Melun en piste 10. Contactez auto-information Melun, 121 décimales unité. 121 décimales unité pour 38 Golf et à l'issue, on fera une API standard. Je vous rappellerai, si vous le voulez bien, durant cette API. À ce moment-là, vous me rappelez à Nimla. Je vous rappelle à Nimla pour une deuxième présentation par Papa Mike. Merci, à tout à l'heure. Ouais, Fox Hotel Charlie Fox Romeo, contactez Paris Info 126 décimales unité, au revoir. Je contacte Paris Info sur 126 décimales unité. Fox Fox Romeo. Fox Golf Alpha Lima Papa, contactez Paris Info sur 126 décimales unité. Paris Info 126, et à tout à l'heure peut-être Fox Lima Papa. À terre. Scène Info de Fox Golf Novembre, Novembre Lima, bonjour. Fox Golf Novembre, Novembre Lima, c'est l'information, bonjour. Le Fox Golf Novembre, Novembre Lima, DR400, 3 personnes à bord, en provenance de Logne à destination Aubigny. Je viens de sortir de Sierra Mike de Melun, 2500 pieds, pour information de vol, s'il vous plaît, monsieur. Fox Golf Novembre, Novembre Lima, transpondeur 7052. 7052 sur le transpondeur Novembre Lima, merci. CND Fox Papa Novembre, nous avons terminé nos évolutions, rentrez sur étampes. Papa Novembre, reçu transfondeur, rappelez-moi envie d'étampes pour quitter, ou rappelez-moi pour quitter. Mais envie d'étampes, Papa Novembre, on peut quitter déjà présent. Reçu Fox Papa Novembre, transfondeur 7000, quittez la fréquence, à plus tard. Ouais. 7000, on quitte la fréquence, Fox Papa Novembre, bonne journée, au revoir. Au revoir. Magnifique forêt de Fontainebleau, Fonoquier, Fox Golf Novembre, Novembre Lima identifié. Merci monsieur, Novembre Lima. Très Golf, transfondeur 7000, et quittez la fréquence. Là, ouais, tu peux passer comme ça, tout droit. Transfondeur 7000, quittez la fréquence, merci monsieur. Enfin. C'est la main fouille sur le trafic au Sierra, bonjour. Tac, tac, tac. Alors à Plancène, j'ai eu un petit bonjour, et bien écoutez, bonjour. C'est l'information du Foxtrot Eco Sierra, bonjour. Fox Eco Sierra, c'est l'information, bonjour. Bonjour monsieur, Foxtrot Hotel Victor Eco Sierra, DA42, 3 personnes à bord, en provenance de Toussus-le-Noble, à destination de Joigny, Lima, Foxtrot Golf Kilo, actuellement 1018, on va monter vers 2500 pièces, pour information de trafic. Fox Hotel Victor Eco Sierra, transpondeur 7043. Transpondeur 7043, Fox Hotel Eco Sierra. Ah ouais, t'as entendu un bip bip? Ouais, c'était quoi ça? Je sais pas. C'est ton téléphone, Jean-Luc? De quoi? J'ai entendu le bip bip bip. Ah, je sais pas, peut-être. Ou bien peut-être dans la micro, peut-être à la tour 35. Ouais, ça peut être aussi. On va plutôt quand même par là-bas. Quoi? On va plutôt par là-bas quand même, pour faire le tour du loin. Là-bas c'est Nebourg. Ouais. Et on va se fader ça pendant 20 minutes. Donc tu vois, regarde. Attends, voilà, on bouge pas, que je me l'oriente ici. Là et là, voilà. Là, on arrive par là. Donc, pardon, même ici pour Fox Golf Eco Victor Romeo, bonjour. Fox Golf Eco Victor Romeo, rebonjour. Faites route initialement sur Avon en VFR. Je vous rappelle pour la clairance, je vais vous faire un autre trafic qui arrive derrière, ou près à côté de la clairance. Alors Avon, près à côté de la clairance, Fox Victor Romeo. Donc prévoyez une route directe sur Avon, transpondeur 1000, latitude 2000 pieds, et je vous rappelle pour afficher le transpondeur sur 1000. Donc, route Avon, 1000 au transpondeur, pour l'instant j'ai 7000, j'attends vos instructions, et je monte 2000 pieds, 1018, Fox Victor Bo. Pour info, je suis pas PBN. Vous n'êtes pas quoi, j'ai pas reçu. Je ne suis pas PBN, je suis navigation conventionnelle. Reçu. Fox Novembre Lima identifié, recontactez-moi sur 118 050.
118 050 novembre Lima, merci monsieur. Bravo Roméo en descente. Bravo Roméo, bien quitté, excellent. Novembre Lima désormais sur 118 050. Merci à novembre Lima. Bien Jean-Luc, vous avez récupéré le caméscope qui se trouve là-dedans. Ah, regarde, tu as le système de Victor Romeo, un trafic ULM sur votre secteur avant droit, actuellement 600 pieds en descente, moins d'un nautique, ULM. J'ouvre l'œil, vous confirmez son altitude actuelle? Là, il est sur votre travers droit, moins d'un nautique, 300 pieds haut en descente. Reçu, bah écoutez, j'ouvre un petit peu à gauche dans ce cas-là, Fox Victor Romeo. Il est sur votre travers droit. Non, j'ai de gauche, mais c'est à droite en fait, travers droit. Donc, tu vois l'espèce de zip que ça fait là, il devrait croiser. Tu la mets à ta gauche et quand tu l'as passé, tu te fais un kilomètre sur le côté du joueur. À gauche pour l'éviter, j'ai pas mis la droite, Fox Victor Romeo, y'a pas de soucis. Okay, Victor Romeo, transpondeur 1000, régime de vol IFR, direct Avlon, peut monter 3000 pieds. Pardon, j'ai pas inquiété. Au transpondeur, je monte 3000 pieds. Tu vois l'espèce de zip que ça fait là, tu te la mets sur ta gauche, et quand tu l'as bien en bas en dessous, tu te mets de l'autre côté, tu prends la direct, tu fuis de loin en fait vers le sud. À 2500 pieds, tu te positionnes à peu près 1 km de manière à ce qu'on ait plus de tangente à 45 degrés, ça sera nickel. Fox JN Golf, Seine, bonjour. Le Fox Golf 2 fois JN Golf, 2 personnes à bord, 2500 pieds, QNH en provenance de Lagne, à destination de Granville. Fox Golf Golf Juliette Golf, transpondeur 7044. 7044 transpondeur Fox Juliette Golf. Dans la ville de Nemours qui est contre soleil. Fox Lima Mike, pour Seine Info, bonjour. Fox Lima Mike, Seine Information, bonjour. Donc on va faire un cheminement, là on reste Fox, là. Fox Hotel Delta Lima Mike, bonjour. Mais Victor, deux personnes à bord vont décoller de. Et non, non, première distance, elle peut par là-bas. De Joigny 3000 pieds QNH pour un suivi de vol. Non, mais c'est normal ça. En fait, on va le quitter pour rejoindre après. Lima Mike, transpondeur 7045. Donc voilà, tu la contournes comme ça, tac. Espèce de truc bizarre là-bas, et tu te positionnes dessus, ça sera bon. Fox Golf Golf, US Golf, vous n'êtes pas dans les zones de Seine, mais dans celle de Paris Info. Vous pouvez les contacter sur 126 décimales unités, transpondeur 7000, au revoir. Transpondeur 7000, 126 unités, Fox US Golf. Donc on arrive ici. Fox Victor Romeo, montez. On va passer de l'autre côté comme ça. Dominez pendant 10 minutes peut-être. La Montargis. Ça pour avoir le loin sur notre côté droit nous évitera d'avoir un transit d'environ un quart d'heure avec tous les champs en dessous là, quelque peu monotone. Faire un peu à gauche hein. Plutôt l'espèce de truc que ça fait là, il y a quelques habitations, voilà. Donc nous avons coupe sur loin. Pourquoi pas. Et voilà le loin magnifique. Ouais, donc là c'est tip top sur une comme altitude. On peut voir, admirer. Voilà l'échangeur autoroutier. Enfin, l'échangeur, c'est un péage. Et on voit Montargis là-bas. Ok, donc maintenant tu peux te prendre comme ça, là. Les gars, juste à cette ville qui est là, ça sera bon. Ça fait que je tourne avant après. Ouais, tu restes comme ça, tu fais en sorte de voir l'autoroute en bas à ta droite. Ok.
là on est sur l'échangeur ici. Je pars par là? Non, comme ça, tout droit là. Tout droit. On voit au fond, j'allais dire nos gens, n'importe quoi. Bon, pour le coup, celle-là, je connais plus. De toute façon, si jamais on est perdu, c'est pas compliqué, on vise la centrale. Ouais. Et on va à celui. Fox Lima Mike identifié. Fox Lima Mike identifié radar. Extra. Pas beau ça? On a bien fait de partir tôt. Ouais. Comme ça c'est tranquille, là, ça bouge pas beaucoup. Ça bouge même pas du tout. Hein. Ouais. Ouais. C'est bizarre, hein, il y a des trucs comme ça qui... Victor Romeo, montez niveau 60. Alors le retour, ça risque de bouger plus, un peu plus. Victor Romeo. On va dire c'est à cause du pilote. Ok, Johan, c'est noté. On va faire des yo-yo et des virages. Ah, on verra. Je suis assez d'accord. Je pense que le résultat de la stabilité, c'est la qualité du pilotage. Merci. WT07, stable niveau 70, direct à Pétisier, bonjour. Taille 07, bonjour, maintenez niveau 7-0 sur Pétisier et je vous rappelle. On maintient niveau 7-0 sur Pétisier, Blue Taille du Blue Taille 07, quand ça sera possible pour vous, est-ce qu'on pourrait avoir une liberté de manœuvre entre le 0 et le 75? Et on aura besoin également de faire des virages par la droite et par la gauche. Juste un peu à gauche, là tu vas vers l'extérieur des champs. De toute façon, elles sont pas... Ouais, tu te mets bien à gauche, là encore un peu. Ça sera bon. La 07, c'est la 05 en service à Orléans et je vous rappelle dès que vous pouvez éviter les évolutions. 1 degré à gauche, tu passes à côté. 07 en service à Orléans et on peut direct le câble des 07. Ouais, vous voulez pas faire des évolutions? Ah si, on va faire les évolutions avant l'IPTA et par contre après on aimerait bien aller sur l'IPTA si possible, la bouteille 07. Ah ouais, alors je vais voir ce que je peux faire pour l'IMTA direct parce que les zones de Brissy sont actives là jusqu'au niveau 145, donc je vais avec rappeler, je vous rappelle début d'évolution, bon, enfin quand vous pouvez évoluer dans la zone, la tranche d'altitude que vous m'avez demandé, et ensuite vous me direz quand vous serez à 2-3 minutes de la fin des évolutions pour que je puisse coordonner avec Orléans. C'est bien préhensé comme ça, merci beaucoup. Voilà, toi tu vises la partie, bah tiens la zone industrielle on la voit là-bas, je pense que c'est celle-là. Hein? Là-bas au fond, ouais. Bah c'est ça, parce qu'il a une Vantargis, a une extension bien marquée vers là-bas. Ok, donc on est là, on passe cette route. Blue Taille 07, donc vous pouvez débuter les évolutions d'ici 3 minutes, je vous rappelle dès que vous êtes dans la bonne zone. C'est très bien, on prévoit d'ici 3 minutes le début des évolutions en Blue Taille 07, merci. 738 Golf, rebonjour, on vient de passer Nimla à 2000 pieds sur le bord de Melun pour avoir l'atterrance pour une deuxième présentation via Papa Mike 500. Donc 738 Golf via Papa Mike 500, autour des approches Aeronav 28 Yankee Uzua convenance et rappelez-moi en finale 28. Reçu, je vous rappellerai en finale 28, on fera une remise de gaz avant la piste et on ira sur Nangis. Reçu.
Bien, à l'issue, donc le transit en TMA 5 sera approuvé. Vous me rappelez en sortie de CTR pour que je puisse clôturer le sandwich. Affirme, on fera comme ça, merci. Une info du Foxtrot Eco Sierra, stable 5500 pieds, QNH 1018. Reçu Eco Sierra. Ok, Foxtrot Eco Sierra, ça serait pour passer avec une info 120 décimales 325 pour avoir la dernière. On pourra passer l'usine qu'on la verra bien en dessous, du point 250. Donc là, on n'a pas le secteur suivant actif, ça sera Paris Info 126 unités. Vous pouvez me rester sur cette fréquence-là, ça sera moi de l'autre côté. Donc, maintenez la fréquence, sauf si vous désirez passer avec Joanie dès à présent. Je vais passer avec Joanie. Voilà. En fait, on est en train de tangenter, là. Oscar Novembre, vous écoutez. Fox Golf, Echo Oscar Novembre, PA28, deux personnes à bord au départ de Cherbourg, actuellement au niveau 75 à 1013, transpondeur 7000 à destination d'Avignon. Fox Golf, Echo Oscar Novembre, transpondeur 7046. 7046 au transpondeur Oscar Novembre. Victor Roméo, montez niveau 7-0. Victor Roméo. Ouais, c'est bon, là tu peux commencer bonjour à de novembre. Virage en droite, sécurité. On tourne à 30 degrés. 55 papa, bonjour. Bien, suivez la route Motal Sensé. Motal Sensé, novembre 55 papa. Blue Tide 07, vous pouvez débuter les évolutions donc à l'est de Pithiviers puisque les zones de Orléans-Brissy sont actives jusqu'au niveau 115 et 145. Rappelez fin d'évolution dans 2 minutes, enfin 2 minutes avant la fin d'évolution pour jouer à Cordéan si vous pouvez faire une directe libre. On s'est bien pris, ça, on restera à l'est des zones de Brissy, Blue Tide 07. Et donc on débute les évolutions. Il y a un avion à Victor Roméo, contacté par le contrôle 25, décimal 0,75. Ah non, il est en bas Paris 25, 0,75. Merci et bonne journée, au revoir. Fox Hotel Delta Lima Mike, contacté Paris Information sur 126, décimal unité. Fox Lima Mike, on passe avec Paris Info 126, décimal unité. Au revoir. Fox Oscar Novembre, alors là vous n'êtes pas du tout dans les zones de Seine, vous êtes dans les zones d'Avor, contactez-les immédiatement sur 119 décimal 7, vous êtes dans les zones d'Avor, en plein milieu. 119 décimal 7 avec Avor, Oscar Novembre. Mais à 250 plutôt, hein. Pour avoir la ville sur ta bouche. De Golf, pour l'approche, est-ce que je peux passer sur 121 unités? Oui, il n'y a personne dans la TMA 5, donc c'est approuvé pour la 121 décimale unité et donc rappelé en sortie pour que je clôture le plan. Je vous rappellerai en sortie 63430, reçu. Donc là on est à 10 nautiques. A priori, ce qu'on voit devant, ça doit être le patin dont je te parlais. Donc tu le laisses sur ta gauche, et tu continues tout droit, et on va intercepter notre axe initial. Ok. Et celle du Blue Tide 07, est-ce que ça vous embêterait de nous délayer notre plan de vol retour à, on va dire, à 8,50?
Je regarde ça, je pense qu'il n'y aura pas de soucis avec moi, je vous dis ça. Merci beaucoup. Apparemment, lui, il tourne en 06. Hein. Non. Ouais. On arrive dans l'axe, mais on ferait demi-tour pour reprendre des deux avant. Non, on continue pour prendre des deux avant arrière par là-bas. Et ça sera 06 main gauche, c'est ça? Ouais. 06 et main gauche, ouais. Tour de piste à 1600. Donc je ferai la verticale 2100, 2001, ouais. 2100. Apparemment c'est cette ville, tu voulais la garder sur la gauche? Ah voilà, ouais. Bah, ou sinon sur la droite après, c'est pas grave. Voilà, soit là. Un passager qui a pas l'air malheureux? Non, non, je profite. Ouais, hein, c'est beau là. C'est beau, c'est calme, enfin là, t'es pas perturbé, c'est bien. Ouais, c'est clair. C'est idéal en fait. Pas trop d'activité, pas trop de radio, c'est bien. Ouais, c'est vrai que ça change pour une fois. Ouais. C'est l'information de Fox Hotel Charlie. Notre pilote. Comment? Admirons notre pilote. Fox Hotel Charlie Alpha Papa, bonjour. Oui, bonjour monsieur, donc Fox Hotel Charlie Alpha Papa, deux personnes à bord, on a décollé de Salon. Bon, le navigateur, et on va faire un transit au niveau 65. Donc lui, il est en montée initiale, il a 1200 pieds au-dessus de nous. Il est en montée initiale tout à l'heure. Là, il est en train de tourner en tour de piste. Donc apparemment, il tourne main gauche 06. 347, 047, Fox Papa. On va voir si sur la vidéo, ça sera... Parce que souvent, l'écran va clignoter en vidéo, elle clignote. Donc... 26, j'avais calculé 5 minutes, ça fait 5 minutes. Fox Hotel Alpha, Juliette Fox, bonjour. La ville de Lourdes, Fox Hotel Alpha, Juliette Fox, bonjour. Fox, Juliette Fox, Techmerp 2002, une personne à bord en provenance de Cézanne, direction Étampes, via le port de Melun, actuellement à 2000 pieds canal. Et on a Sully en Loire qui doit être là. Fox Hotel Alpha, Juliette Fox, transpondeur 705 unités. Alors, attends, ouais. Transpondeur 705 unités, Fox, Juliette Fox. Ouais, alors c'est pas celle-ci. Celle-là, faut pas y aller parce qu'elle est dans la zone interdite. Ouais. Donc Sully en Loire, ça doit être celle qui est juste en face, ça va. On est sur du 233. Ouais, ça me paraît bizarre en même temps. Fox, hôtel Charlie Alpha Papa identifié, vous pouvez transiter au niveau 65. Que les zones de Orléans-Brissy sont actives, je vous rappelle pour les contacter. Entendez, donc zone de Brissy active, transit au niveau 65 approuvé, Fox Alpha Papa. Bonjour, c'est Louis Fred. Pas Guillaume Fred. Fox Golf, via Guillaume Fred, R400, décollage des temps, avec deux personnes à bord, 7500 pieds de nage, prend un vol vers Fort-Orion, et si possible, un tour sur le Ville-Vicon. D'abord, 1155 Papa. Bon. Direct Sierra Alpha Novembre Charlie. Direct Novembre 11, 55 Papa. Ouais, ça c'est bien. Ouais. C'est en Loire, il y a pas de. Ouais, en plus, je vous rappelle, donc quand je lui dis je vous rappelle, faut pas me balancer tout le message, c'est que je suis occupé en train de prendre une clairance au téléphone. Donc malheureusement pour vous, il faudra recommencer, donc je vous écoute. Et on voit le château là, ça y est. Fox, Jack, Louis Fred, R430, deux personnes à bord, décollage descente pour Fort-Orion avec si possible un tour au-dessus de Fort-Orion.
Fox Golf India Kilo X-ray identifié modeste, transpondeur 7052, transit approuvé. QNH 1018 est rappelé en entrée de cette aire de Melun qui sera en auto-information. Vraiment un max de forêt dans le coin. Ouais. C'est l'info, il faut que Sierra pour passer avec Joigny. Pour les pas c'est pas génial. Oui. Sierra peut passer avec Joigny, a priori un autre trafic en route sur Joigny, là dans votre secteur midi, 3 nautes des convergents, 1000 pieds bas. Et transpondeur 7000, au revoir. Transpondeur 7000, aussi pour l'information de trafic, peut-être visuel, pour l'instant ça avec Sierra, merci, au revoir. Kilo X-ray, ça. C'est Australia du coup. Ouais, je confirme, profondeur 7052 identifié et ce sera de l'auto-information dans la CTR de Melun, elle n'est pas active aujourd'hui. Reçu, Kilo X-ray, Matiani 7052, le. Oui, oh, mais, non mais peut garder 7032, c'est pas grave, peut garder 7032, c'est aussi un de mes codes, donc il n'y a pas de soucis. Ok, bien reçu, Kilo X-ray. Bonjour. Fox Hotel Golf, Fox Alpha, bonjour. Fox Alpha, 1m22, deux personnes à bord, un vol en provenance de Plessis-Belleville à destination de Orléans-Saint-Denis pour transit à Dorodon. Fox Hotel Golf, Fox Alpha, transpondeur 7053. 7053, Fox Alpha. Alors, on va essayer de taper le faisceau. Parfait. Bah, tu vas bien le voir aussi, je pense. Ben, c'est bon, nickel. Confirme Jean-Luc, je suis lié en Loire. Hein? Oh, oui, bien sûr. On y est venu y tourner quelques fois avec Osimu, hein? Je pense, oui. Scène de Fox Hotel Sierra, Oscar novembre, bonjour. Ah, tu prends l'usine comme... Fox Hotel Sierra, Oscar novembre. Passe-moi un tournant. Et la route suivante hein, vers les étangs, c'est 2-3-2. Ah. 32, le prochain prévu, 40-46. Ah. Ah, des verticales, du bazar. Fox Hotel Sierra, Oscar Novembre, je vous écoute, monsieur. Oscar Novembre, ABR-401, deux personnes à bord en BFR, on vient de décoller de Saint-Denis l'hôtel, destination de 3. On passe 2600 pieds vers le niveau 35. Fox Hotel Sierra Oscar Novembre, transpondeur 7055. 232, 7052 pour la route. Oscar pardon, novembre. 232 pour la route. Novembre 1155 Papa, contacté Paris Contrôle, 125, décimal 450, au revoir. 125, décimal 450, novembre 1155, au revoir. Fox Hotel Alpha Juliette Fox, identifié. Fox, Hôtel Alpha, Juliet Fox, transpondeur 705 unité. Oui, c'est correct. Voilà, donc on va arriver dans la zone avec tous les étangs dont on parlait. C'est un peu le but de la balade. On a passé Fox, Fox Alpha identifié, transit approuvé TMA 5 de Seine. Et donc pour info, la prochaine fois, il faut demander un petit peu plus tôt parce que là vous êtes déjà dans une TMA de classe D et il y a des approches IFR en cours. Reçu, Fox Alpha, merci pour l'info. Je poursuis avec vous. Oui, vous pouvez poursuivre avec moi. Je vous remercie. Fox, Juliette Fox, ce transit approuvé TMA 5 de 7. Fox, Juliette Fox, transit approuvé. On est en Sologne. Pardon ? On est en Sologne. Donc là c'est des petites villes, elles sont pas même pas marquées là, c'est bon, on est dessus, on est correctement, on est bon. La seule grande ville qu'il y a, c'est la mode Beuvron qui sera à notre droite.
Et une pas loin à côté, mais on la verra. Donc voilà, tu vois, tout ça, c'est les zones des étangs dont on parlait. Quand on arrive, il y en a pas encore beaucoup. 22 novembre, 738 Golf. Novembre 738 Golf, rebonjour, transpondeur 3, 4, 5, 6, IFR clôturé à 8h33 et vous pouvez passer un TMA5. Reçu, alors l'IFR est clôturé à 8h33, on va passer en TMA5 et on va contacter Jean-Gilles en vous remerciant et à demain. Et à demain, bon retour. Merci. A priori, la patelin qui est là-bas, ça doit être la mode Beuvron. Donc tu restes toujours à gauche de la mode Beuvron. Et là-bas, au fond, à droite, on doit avoir Orléans. C'est bon. Fox Golf. Voilà, Orléans au fond. Fox, hôtel Sierra Oscar Novembre, identifié. Oscar Novembre. Bouteille 07, on arrive à 2 minutes de la fin de nos évolutions. Reçu bouteille 07, mais je vous rappelle. C'est ça, la mode Beuvron, on aura fait les deux tiers de la route. Un peu plus. Blue Tie 07, direct Limita, et initialement maintenez le niveau 7-0. Blue Tie, il reste juste un exercice de décrochage avec les on devrait perdre 300-400 pieds, ouais. Et après on prendra l'île, vous pouvez sur Limita, ça vous va? Ça aussi, Blue Tie 07 approuvé. Et donc la descente en fonction de la vitesse d'Orléans, soit vous maintenez au-dessus ou soit vous l'évitez un peu à condense. C'est bien pris, on va essayer d'éviter Orléans au côté de l'entête. 45 minutes même, dis donc. À 20, 33, 34. La fin des tournements de 7-8 minutes. Donc, ouais, c'est ça, on a un peu de choses près, non. Fox Golf India, Kilo Express, vous pouvez dans la petite partie de TMA5 et vous pouvez passer maintenant en auto-information dans la septière de Melun sur 121 décimales unités, excellent. Le truc là avec c'est quoi? Un moulin. Moulin de Melun. Ah ça je sais pas. À l'air, c'est de l'air, ça tourne. Ça tourne avec de le vent. Il n'y a pas de vent au sol alors. Oui, là, on peut un trafic bientôt sur votre travers droit, 2 nautiques, 300 pieds par route opposée. Vous avez vu l'explosion au Liban avant-hier? Je vous répète, un trafic sur votre travers droit, moins d'un nautique, 400 route opposée. J'ai des oncles qui sont à côté des routes et j'ai eu de la casse. Donc là pour moi au radar c'est croisé. Il n'est pas blessé par rien de grave. La moitié de la ville est touchée. Okay, alors là la route vers Limita, vous allez poursuivre au 4. Et je vous rappelle pour Limita parce qu'il y a la zone de para qui a été active et il est en train de décoller. Donc là vous prenez poursuivre au cap sud, là vous allez dans la zone de para. On prend le cap sud, bouteille 07. SN Le Bravo Romeo, rebonjour, la montée en parachute 5, en parachutage 55, en parachutage 90. Bravo Romeo reçu, rappelé, largage approuvé pour le 55, rappelé pour la montée. On rappelle pour la montée après le 55, Bravo Romeo. Bouteille
bouteille 07. Donc maintenez le cap sud et je vous rappelle pour une directe Limta. Là, le largeur para est en train de monter. On maintient l'altitude de bouteille 07. C'est une info de novembre Lima. Novembre Lima, je vous écoute monsieur. Vous confirmez que la zone Roméo 149 Alpha et Bravo sont pas actives? Non, elles sont pas actives, en revanche les zones militaires d'abord sont actives. Vous pouvez les appeler dès à présent si vous le désirez sur 119 décimal 7, 37 000, au revoir. Je reste avec vous, si ça vous dérange pas, dans 5 minutes on va retourner vers Aubigny, donc on reste dans votre zone j'imagine. Su, donc rappelez-moi en vue d'Aubigny. Merci monsieur, je vous rappelle. Fox Alpha, recontactez-moi 118050. 118050. Avant, c'est où les zones d'avant? Je sais pas, ils sont plus au sud, ouais. Fox Alpha, pour pas pourquoi ils nous ouvrent ça, parce qu'en fin de compte, c'est beaucoup plus au sud des zones d'avant. Okay, Fox Alpha. En fait, on sera en périphérie d'avant quand on sera au niveau du radiotélescope. Voilà, 2500. Donc, taille 0, on peut tourner à droite. Alors, on reprend bien le 232. 240, descendez à l'altitude de 5. Ah, donc là, votre levron en dessous là. On tourne à droite, ce cap de 4 on descend. Ça fait 10 km/h. L'autoroute, ok, c'est bon. La voie de chemin de fer. Route. Elle est en dessous de nous. Ouais, c'est ça. Donc je dirais un poil à gauche, Johan. Vite l'espèce de cheminée que ça fait là-bas, blanche, là. Ok. Donc le radiotélescope. Le radiotélescope, il est derrière. Ouais, il sera à gauche. Ouais, mais là, on arrive jusqu'à l'étang qui est là-bas. C'est ça. Et dans le prolongement là-bas à gauche. Quelque part en bout d'aile derrière. Pas tout à fait, peut-être même sur les avant. Peut-être par là-bas. Au fond là-bas on voit une centrale je pense. J'ai l'impression qu'on voit les nuages. Oui, il y a les nuages, ouais, il y a les... De mai, mais... Ok, donc là on va arriver dans une zone, il y a encore plus d'étang. Bouteille 07, donc descendez à altitude sécurité à convenance, vous quittez l'espace aérien contrôlé en sortie des zones d'Orléans, QNH 1018. Hein. Donc là tu peux plus donner ton vent. QNH 1018, merci beaucoup, bonne journée. Je te disais combien pour l'instant et je vous rappelle, bon passé. On regarde la fréquence et est-ce que vous avez pu voir avec Orly si c'était bon pour notre retour pour passer à l'EGM du coup, bouteille 07? Non, j'ai pas encore vu, mais avec Orly, il y a rarement de soucis, donc il n'y a pas de soucis. Vous faites juste une percée et une remise à gaz hein. Bah, certes, normalement, c'est ce qu'on devrait faire, ouais. Je suis direct Limt à bouteille 07. Direct Limt à bouteille 07. Donc on a l'autre centrale là-bas, Saint-Laurent. Bravo, Roméo, le langage est prouvé également pour le 95, rappel en descente. Ah, c'est bien pris. Donc dans 3-4 minutes on arrive sur zone du grand virage. J'ai tenté de dire que là-bas c'est Salbris. Ah là ce qu'on voit devant. Changer un petit peu. Alors une vue copilote ça donne ça. Voilà. Elle va un poil la tête pour qu'on y voit mieux. Il n'y a pas de doute, ça doit être Salbris ça. C'est l'info de Fox Alpha Papa. T'as l'info peut-être pour moi. Oui. Alors, il y a l'info Papa qui a essayé la tristesse. De Prissy, est-ce que... Le télescope, il est quelque part là-bas, enfin la radio astronomique.
Alpha, papa, oui, c'est correct. Vous évitez la verticale et le voisinage du terrain d'Orléans-Saint-Denis avec du largage para en cours. Et si vous passez au sud du terrain, vous pouvez contacter Brissy, 122 décimales 7, avec 7000 au transpondeur pour le transit urbain. On passe au prix 122 décimales 7 et au sud du terrain pour éviter la verticale. Aux... Et 7000 au transpondeur, merci monsieur, au revoir, faut que ça passe pas. Bon vol. C'est un info de Fox, c'est Alpha, c'est pour vous quitter, passer avec Orléans-Saint-Denis. Je tourne derrière un peu ici. Tout pour Orléans-Saint-Denis, maintenez ma fréquence. Je vous rappelle pour vers la ville là-bas. 2 minutes. On sera au-dessus de la ville. Un virage bien à plat. 15 degrés. C'est un info du Fox Trotté Cossiera, bonjour. À droite. Fox Trotté. Tu vas sur la ville là-bas. On va voir avec la tour. Victor et Cossiera, on dirait 42. Comme je te dis, tu fais un virage 15 degrés par la droite. En provenance de Joigny. Actuellement 3500 tics, 9000 visites vers un cap 300 pour les évolutions. Écossière a copié la destination. Destination de Célenable, Lima Fox, Papa Novembre, envoyé Écossière. Écossière a identifié les radars, transpondeur 34 à 54. Identifié transpondeur 34 à 54, Écossière. Scène du Fox Hotel Delta, Lima Mike, bonjour. Hôtel Delta Lima Mike, bonjour. Scène du Fox Hotel Delta Lima Mike, bonjour. Un Evector, deux personnes à bord vont décoller de Joigny pour un vol à destination de Montargis. 3000 PQNH pour un suivi de vol. Hôtel Delta Lima Mike, identifié, transpondeur 7030. 7030 au transpondeur Fox Lima Mike. Fox, Juliette Fox, j'ai passé la verticale du bord de Melun. Prix Juliette Fox, poursuivez. Bravo Roméo, fin de l'engage en descente. Bravo Roméo, quittez fréquence à tout donc à l'heure. Donc ça sera un virage et ensuite une route au 119. Je suis à Fox pour quitter la fréquence temporairement pour écouter la 10 des temps. Juliette Fox l'a prouvé, rappel de retour. Rappel de retour, Fabien. Ok, tu peux déclencher quand tu veux. On tourne à 15 degrés. C'est l'info de Fox Tango Papa Victor. Fox Golf Tango Papa Victor, bonjour, je vous écoute. Fox Papa Victor, 1480, deux personnes à bord, provenance Étampes, destination Auxerre pour un retour dans la matinée, à 2500 QNH 1018 pour information de vol. Golf Tango Papa Victor, identifié radar, transpondeur 7031. 7031 au transpondeur, Fox Papa Victor. Scène info de Fox Fox Romeo, bonjour. Fox Fox Romeo, scène bonjour, je vous écoute. Scène info de Fox Hotel Charlie Fox Romeo, un sorteur de personnes en provenance de Joigny à destination de Morée, actuellement à 2400 PQNH pour information et suivi. Hôtel Charlie Fox Romeo, identifié radar, transpondeur 3455. Transpondeur 3455, Fox Romeo. Fox Hotel Golf Fox Alpha, surveillez un trafic 500 pieds plus haut dans vos 10 heures gauche-droite. S'il est plus lent, il passera derrière vous d'ici une minute. Roger Fox Fox Alpha, pas de VDL sur l'appareil, toujours. Kilo X-ray, allez-y. J'ai quitté la zone de vol des comptes et je dirige vers Centurion actuellement. C'est Victor QNH. Golf India Kilo X-ray, c'est reçu. Transpondeur 34 à 56. Dépanneur dans le secteur et confirmez-moi le type d'appareil. Alors 34 56, un DR400, deux personnes à bord. C'est pris, merci. Fox Fox Alpha, trafic travers gauche. Toujours pas de visuel, Fox Fox Alpha. Fox, Juliette Fox, retour sur la fréquence. Alors, on va reprendre à 48. C'est reçu, poursuivez, rappelez en vue détente pour passer avec eux. Rappel en vue détente pour passer avec eux, Fox Juliette Fox. Fox Fox Alpha, le trafic est croisé maintenant. 48, ça fait 56 sur le radio-télescope. Au revoir.
7000 en transpondeur et Saint-Denis sur 122. Donc devant toi, c'est celle brillante, mais elle est bien à ta bouche. Ah, t'as entendu, Johan? Comment? Devant toi, là, c'est celle brillante, a priori, ouais. Tu la mets bien à ta gauche. On pourra qu'on voit l'autoroute pour confirmer que c'est bien celle brillante. Ah, comme c'est beau, là. Détail 07 et bien passé avec Saint-Denis, 122 décimales 4. Et c'est la piste qui vous donnera la clairance pour le retour tout de suite. Non, c'est bien pris, donc on passe avec 122,4, on prend la clairance auprès de la piste, bouteille 07, à tout à l'heure. C'est l'info de Fox Romeo pour information, on peut rentrer un exercice de déroutement sur haut de fer. Pas l'autoroute là. Qui déroute sur Auxerre, excusez-moi? Non, c'est le premier qui passe à côté, au milieu de la ville. C'est Fox Romeo, qui devrait passer à côté de la ville. C'est pas un tour d'apparemment, non plus. C'est l'info du Fox Romeo, c'est pour exercice avec un secteur en bas. Suivi. C'est quoi, une grande autoroute? Bon, là je vois deux routes qui se croisent au milieu de la ville. Je vois pas d'autoroute, non. D'accord. Non plus. Ouais, c'est ça. Alors on a viré, on était un poil plus loin que ce que je te disais. Fox Juliette Fox, un trafic se présente. On va continuer un poil plus longtemps en fait. Légèrement droite. On avait dirigé un peu plus à droite que là où je voulais, mais c'était très bien. Bien reçu, Fox. Donc on est sur le bon axe. L'autoroute en 3 minutes, on la verra un peu plus tard que je pensais à fait. Hôtel Sierra Oscar, novembre, vous arrivez en sortie avec 7000 au transpondeur qui était fréquent. Paris, un peu on pour est la bon là, sur on est à 7 minutes du radiotélescope. Alors non, voilà, ça doit être celle là qui est plus grande. Oscar, novembre, je vous écoute. Oscar, novembre, vous arrivez en sortie. Vous surveillez un trafic dans vos 11 heures gauche, droite, 1000 pieds plus bas si vous commencez à descendre. Il est à 2 nautiques et vous le croiserez dans une minute. Et pour la suite de l'info de vol, c'est Paris sur 126 unités. Au revoir. Avec Paris 126 unités pour Oscar novembre et on surveille votre trafic. 7000 au profondeur. Fox Hotel Charlie Fox Romeo, vous surveillez un trafic travers droite de votre position. Et voilà, là-bas, c'est plutôt stable et c'est un DR400. Info reçu, pas de visuel pour ma Fox Hotel Romeo. Bonjour de Fox Golf Echo novembre, bravo. Golf Echo novembre, bravo, je vous dis. Donc, Golf Echo novembre, bravo, un TB20, deux personnes à bord au départ de Saint-Denis de l'hôtel à destination de Tochul-Noble. On regarde à gauche. On est en pied avec 7000 au transpondeur, pour information de vol. Golf Echo novembre, bravo, identifié radar, transpondeur 70-32. Identifié 70-32 au transpondeur. C'est des couleurs improbables. Bravo. C'est une information, bonjour le Fox Lima Papa. Bon voilà. Fox Lima Papa, bonjour, on a votre mission et vos éléments poursuivis. On poursuit Lima Papa. Fox, Juliette Fox, pour quitter la fréquence, on passe avec Etampes. Juliette Fox, 119.050 et Etampes 7000 au transpondeur, au revoir. 119.050, 7000 au transpondeur, Juliette Fox, au revoir, merci. Elle est sur la gauche, l'autoroute, là, je pense. Ouais, on y... ouais, c'est ça, voilà. Ouais, le changeur est là. Donc voilà, c'est confirmé, il n'y a plus d'ambiguïté possible. Donc ce qu'on va faire, parce que tu vas faire... Passe celle brille. Oui, tu vas passer celle brille. Tu la mets bien à ta gauche. Dès que celle brille est à ta gauche, fais comme ça. D'accord. Garde la même route en te décalant un petit peu comme ça. Ok. Et on devrait voir le radiotélescope en bas à droite. Je ne vous l'ai pas dit encore, il y a des planaires dans ce secteur. Après on ajustera pour pouvoir faire un virage large.
Ah, c'est pas de bol, on arrive dessus dans le sud. Information du Fox Hotel, Fox Golf, bravo, bonjour. Non, train 360, bravo, Sam, bonjour. Bonjour, c'est un petit personnel à bord pour l'an 2001, destination de Bourg-et-Liabec, Saint-Novembre. Je passe sur un mic à 2400+. Hôtel Fox Golf Bravo, c'est reçu, identifié transpondeur 70-33, toujours des planeurs à l'arrivée. 70-33 transpondeur et c'est copié pour les planeurs à l'arrivée, merci Golf Bravo. Fox Fox Romeo, vous arrivez en sortie avec 7000 au transpondeur Auxerre 129, décimal 8, au revoir. Transpondeur 7000, 129, décimal 8, Fox Fox Romeo. Donc là, tu, à un moment donné, tu, quand tu auras passé Salbris, tu feras une route au 95 à peu près. Je crois que tu l'as bien passé. Hein. Scène du Fox Lima Mike. Donc ça, c'est la Nationale 20. On arrive à destination des installations Montargis, c'est pour quitter la fréquence Fox Lima Mike. Avec 7000 au transpondeur, Lima Mike, et quittez fréquence, au revoir. 7000 au transpondeur et on quitte la fréquence Fox Lima Mike, au revoir. Je vais descendre à 2100 déjà. Ouais. L'altitude de sécurité minimale que j'avais calculée, c'était 1400. Ouais, à 2100, quand on arrive à la verticale, 500 pieds au-dessus de la tour de piste, donc ouais, c'est ça. Approuvé Eco Sierra et rappelé de retour. Bon alors une vue dans le soleil. Hein. Arrivé dessus à 56 normalement, il est 56 donc pas loin. Des choses au sol là-bas, ça pourrait être ça. Là-bas, il y a un petit patelin qui devrait être lancé, justement. Bon, RTN, il est là. Visuel est là. Juste en dessous, on voit les antennes radioélectriques là. Ouais. Avec les deux trucs comme ça en ligne. Belle Jean-Luc ? Ah, je vois pas. Là, sur les avant à droite, avec ouais. Une partie en marron légèrement. Prends le petit étang qui est là, comme ça, et tu vas à 20 degrés à droite. Ah oui, d'accord, ok. Ok, nickel, Yohan. Donc on va le déborder largement et faire à 15 degrés comme tout à l'heure, c'était parfait. On pourra en profiter. Alors une globale, regarde, hein, je vois rien dans les airs non plus. Ok, tu peux déclencher 15 degrés là. En fait, ouais, tu te mets à 15 degrés, tu le gardes dans l'axe de l'aile. Ok, je m'éloigne encore un peu, qu'on fasse un point mieux. Voilà. Donc ça brise en jaune, hein, donc tu la survoles pas.
Et est-ce que c'est celle-là ou est-ce qu'elle est un peu plus loin? C'est qu'en principe elle est un poil plus loin. Ouais, c'est pas celle-là. Ça le brille est plus loin là. C'est pas ça, ça le brille là, c'est l'huile blanche là. Ok, c'est bon. C'est-à-dire on est exposé aux ondes. Les ondes des antennes. Ouais. Et là-bas je crois qu'il y en a une centaine de petites... Mais c'est quoi des antennes de quoi ça c'est... Ben, ça c'est des antennes radioélectriques, c'est pour, pour capter les signaux en fait. Il n'y a pas de... Il y a rien en visualisation. Une heure évolutif, 300 pieds bas, et c'est à 3 de type croisement dans 30 secondes. C'est bien pris, donc bravo pour info trafic, on ouvre la merci. Cette information de Fox Hotel Fox Golf Bravo, visuel sur Morée pour passer avec eux. Hotel Fox Golf Bravo, c'est reçu. Vous avez un trafic anodique à l'ouest de Morée ULM qui n'est pas dans ma fréquence et ce trafic est en descente également. Peut-être va-t-il rejoindre Morée, je ne sais pas. Passez avec eux et 7000 au transpondeur à plus tard. C'est copié pour information de trafic Golf Bravo, je vous remercie et tout à l'heure. C'est pris novembre, bravo, merci. Il y a beaucoup de monde dans le secteur des tentes, 1, 2, 3, 4, 5. Donc maintenez bien 2005, entre 2000 et 2005 pour passer au-dessus des zones à contact radio obligatoire. C'est bien pris, on maintient 2005 pour passer au-dessus de la RFS. Bon, bravo. Bien joué, Yohan. C'est bon, tu peux aller sur le terrain si tu veux. Ok. Alors je vais faire un route. Golf Alpha Lima Papa, recontactez-moi sur 120 décimales 325. 123 décimales Lima Papa. Scène info, pour vous quitter s'il vous plaît, contactez Obi. C'est novembre Lima ? C'est novembre Lima, pardon. Oui. Avec 7000 au transpondeur, novembre Lima, qui était fréquence, au revoir. 7000, au revoir. Fox Lima, papa, sur 123.5. Lima. Orbigny de Fox Golf, novembre, novembre, Lima, bonjour. Orbigny de Fox Golf, novembre, novembre, Lima, ETR-400, 3 personnes à bord, en provenance de Logne, à destination de vos installations. Vos installations sont estimées dans 3 minutes, dans 4 minutes, on est actuellement 2100 pieds, route Est, on rappelle verticale 2100 pieds pour reconnaissance et intégration. De Fox, bravo Fox, nous arrivons à arrivons dans 62 minutes pour une verticale terrain afin de... Morée du Fox Hotel Fox Golf Bravo, bonjour. Un PS28 en provenance de Belin à l'état de destination. Actuellement vertical des installations 2500 pieds pour un repérage terrain et une intégration. Elle a dit quoi? Un repérage terrain et... Oui, mais quel terrain? Sans doute, oui. Je vais faire un repérage. Comment? Quel terrain? Montagne Delta Lima, bonjour. Fox Bravo Sierra Delta Lima, MS-893 en provenance de Bernay, destination de vos installations, estimé dans 3 minutes pour une verticale. Ah, ça commence à chauffer là. Oui. Ah, le sol. Oui. Okay. On est sur du 25 degrés. Hein? Bon, et du Fox Golf Bravo, donc c'est la 24 en service, je me reporte vent arrière 20. Gauche B, vous êtes à quel terrain, madame, s'il vous plaît? Morée de Fox, Hôtel Fox Golf Bravo. Vous J'ai pas entendu le terrain, s'il vous plaît. Fox Papa Uniforme.
Ah bon, et merci, merci madame. J'étais à Aubigny, je pensais la même chose, merci. Parce que comme il y a encore la piste 24 ici, on les entend de loin. Hein. Alors on check caméra 2, caméra 3, caméscope et caméra 1. Donc devant on doit voir Aubigny sans doute. T'as la vague avec toi. C'est la ville. Le terrain, le soit là, soit là. Écrit du Fox Tango Echo, vent arrière, main gauche pour la piste 19. Alors le terrain il est sur l'avant gauche de la ville. Là c'est au milieu, le terrain il est avant gauche. Bon, et du Fox Hotel, Fox Golf Bravo, en début de vent arrière, piste 06. Aubigny de Fox Golf Novembre Lima à 2 minutes de la verticale, on a un visuel sur le terrain, je rappelle la verticale 2100 pieds pour le repérage. Il n'y a personne, il n'y a pas de vent, je prendrai la 24. D'accord. Saint-Génien de Fox, bravo Fox, vers le terrain des 2500 pieds. Non, c'est pas la piste. Non, tu sens bien. C'est copié, merci. Là-bas à gauche, il y a un truc qui serait assez long pour être une piste. Et ça correspondrait plutôt par rapport à la ville. Ouais, ouais, regarde là-bas, c'est là-bas. Parce qu'il me semblait tout à l'heure qu'il y avait quelque chose. Ouais, on voit les seuils. Mortagne Delta Lima, verticale des installations, on quitte la zone. Ok, la biroute elle est sur l'avant gauche. Bon. Aubigny de Fox Novembre Lima verticale 2100 pieds, je rappelle, pour l'intégration. Demeure en notre voie de Fox Zulu Oscar, rebonjour. Oui, du Fox Hotel Fox Golf Bravo, donc contact verticale 1100 pieds au-dessus de Boré, et une intégration en main gauche pour le 06 au nord. Oui, piste 24, et le vent, ça sera de gauche. 24, donc ligne 240. Je fais l'éloignement par la gauche, t'es d'accord? Ok, enfin moi j'ai pas vu donc... Aubigny de Fox Novembre Alpha, verticale 2000. Sans pied, je rappelle début vent arrière 24, main gauche. Novembre Lima. Novembre Lima, c'est bien main gauche, novembre 24. Ouais. Bon, main droite. Donc voilà. Main droite, ouais. Correction, novembre Lima, je rappelle début vent arrière main droite, piste 24 à Aubigny, novembre Lima. Ok, éloignement de Ferrari. Du Fox Tango Echo, vent arrière, main gauche pour la piste 10. Check les caméras. 400 points d'heure.
Par droite ou par gauche de toi? Gauche. Numéro 9 soit de Fox Zulu Oscar, vertical 2500 pieds, Laurent Bretel, pour un Fox Golf Bravo en pendant arrière, main gauche, qui est dans le sud. Oui. La titaline sur la 06 là. Pardon? La titaline sur la 06 là. Ah oui, oui, je vais continuer à la... Là. J'ai perdu le terrain de vue. Ah, il est juste en face là. Ouais. Orbigny de Fox November Lima, début vent arrière, main 24 pistes, main droite pour un complet. Hein, Orbigny. Superbe vue sur les centrales au fond là-bas. Par contre, à cette hauteur, on se fait secouer. Hein. Superbe vue. Ah. Allez, ça fonctionne toujours. Oh putain, regarde Jean-Luc. Ah zut, ben, pourtant je venais de la remettre en plus. Ouais. Ça, de toute façon, c'est le virage. Hein. Tu veux dire, tu prends des chocs de Golf Bravo en base vers gauche, puis c'est aussi saboré. Donc j'ai la pompe, je ne vais pas mettre les charges, j'ai la pompe, j'ai un cran de volet, j'ai la batterie, j'ai buffer riche, je mets ça, même pas à faire grand chose, et on est configuré vent arrière. Aubigny de November Lima, mi-vent arrière, piste 24, main droite pour un complet à Aubigny. Avec la ville sur nos avant, hop, VDL, 24, activate. Du Fox Tango Echo au final, vent arrière pour la piste 6, main gauche. C'est bon, je tourne en étape de base. Orbigny de November Lima, je tourne en étape de base, piste 24, ma droite pour un complet. Autant, Fox Ketek Zulu, vertical des installations 36 km pour un exercice d'encadrement sur la 36. Les sorties, pompe on, bon, réchauffe on, est bon, je charge 70. Le vent vient de gauche. On a l'axe, on a le plan, on a 70.
ça risque de bouger un peu sur le forêt. Ouais. C'est joli. Joli, ouais, très joli. Ça c'est du village. Vous avez vu la vie tellement il est. Aubigny, 2 novembre Lima, piste 24 dégagée, on roule à l'essence. Il n'y a personne de chez personne. Ouais. Ouais, ils avaient dit que c'était le désert. Hein. Ah. Bon. Aubigny, 2 novembre Lima, parking à la pompe, ce qui est à la fréquence. Il y a d'essence, hein. Eh ben, on verra. Donc, ça c'est off. J'éteins celle-ci. Alors. Et voilà. Avec une petite vue de l'équipe. Tiens, vas-y, pousse-la encore, s'il te plaît. Voilà. Bon, et ben tout le monde va bien. On est posé, pas cassé. Exactement, et c'était un très beau atterrissage. Ouais. Et je crois que la station elle est éteinte, donc comme ça on est tranquille. Ouais. Donc à peine on a 1h30, donc ligne droite. Oh. Elle s'active peut-être quand tu mets ta carte. Il y a pas, je vois pas qu'il y ait un endroit pour la carte. Ah hein. Oh bah, et hop, elle s'est encore cassée la gueule elle. Ah la vache. Et donc on est à 0.